nous sommes à Guyancourt, dans le quartier du Pont du Routoir, et plus précisément au sein d'un complexe immobilier qui s'appelle Châteauneuf et qui a été achevé en 2016 et inauguré en 2019 avec l'œuvre qui se situe derrière moi. En 2016, s'est engagé le processus des nouveaux commanditaires qui ont réuni 10 habitants du quartier, aidés par une médiatrice de la Fondation France pour écrire le cahier des charges de réalisation d'une œuvre qui sera installée dans l'espace public. Le lieu qui a été choisi pour installer cette œuvre est le MAI Missak et Méliné Manoukian, qui présente une belle perspective et qui est aussi un lieu très piéton. Donc l'œuvre avait pour objectif de rassembler les populations, de permettre aux gens de se rencontrer, d'échanger. Et il avait également pour objectif de valoriser le quartier, sa mixité culturelle et sa proximité avec la nature. Alors les artistes qui ont été retenus pour réaliser ce projet sont Daniel Dewar et Grégory Jiquel, qui se sont rencontrés à l'École des Beaux-Arts de Rennes et qui depuis forment une sorte de duo. Ils ont été lauréats du prix Marcel Duchamp en 2012. Et ce sont des artistes qui travaillent à abolir la hiérarchisation des genres et des techniques artistiques. L'œuvre que vous voyez ici a été réalisée en 2019 et a été inaugurée la même année. C'est un rocher en granit. Le granit se trouve être une roche erratique, donc qui a voyagé autour du globe terrestre dans un iceberg. Et les artistes ont fait le choix de s'adapter à la forme du granit plutôt que de lui imposer une forme totalement différente. Pour cette œuvre, les artistes ont choisi le titre « Roche en granit avec bras, lièvre et banc ». Et le bras fait le geste d'embrasser les lièvres, donc la nature, et le banc sur lequel les habitants sont invités à venir s'asseoir et à échanger.